Eh ben, on va pas perdre notre temps complètement parce qu'on a en haut à droite 30 minutes. Donc on va pas s'emmerder honnêtement. Donc on va tester la démo de Resident Evil Village. J'aurais dû si tout est bon. En termes de langue français, sous-titres. Oui. Je veux les sous-titres. Partager les jeux, non. Non. Allez. Donc on va tester la démo du Village. Et la prochaine démo qu'on commencera, ce sera la démo Château. Mais la première, donc, c'est le village. Donc, allons-y. Difficulté. Facile, standard, hardcore. J'aime bien. Nous prendrons bien soin de vous. Standard, la difficulté classique. Hardcore, vous allez souffrir. Bon, on part en standard comme d'habitude. Allez. On perd pas de temps. Alors, cette démo est limitée à 30 minutes de jeu. Vous devez être en ligne pour jouer à cette démo. Cette démo ne permet pas de sauvegarder ou de charger de partie. Ok, pas de souci. Ça me dérange point. À la recherche de sa fille Rose qui a été enlevée, Ethan se retrouve dans un étrange village. Après quelques péripéties, il fait la rencontre d'une vieille femme. On va voir ce que ça va donner parce que c'est vrai que les trailers nous ont vendu, je trouve, beaucoup de rêves. Donc on va voir ce que ça va donner maintenant. Si ça vaut autant le coup que ça. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame! Restez pas ici, c'est dangereux! C'est quoi ça? Hé! Hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant! L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger! Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous! Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous! Ça y est, ils reviennent! Rose est ici? Ok, cherchez Rose. Ah, par contre, c'est fluide de ouf quand ça bouge, j'aime bien. Ok, donc ça c'est la défense, toujours. Ok. Attends, c'est moi ou la porte s'est ouverte toute seule? Ok. Ah, l'ambiance, j'adore. J'adore de ouf. Par contre, c'est... Ah, la sensibilité, elle est ouf. Elle est pas lente, j'aime bien. J'adore. Ok, donc là, il n'y a rien à chercher. La vieille, elle a nous enfermé, donc nous, on doit chercher Rose, qui est la fille de Ethan. Ok. Ça, dans le trailer, on avait vu qu'il avait une fille. C'est verrouillé depuis l'autre côté. Ok. À mon avis, il y a quelque chose. Là, à mon avis, ce sera fermé. On va quand même y aller. C'est verrouillé de l'autre côté. Ok. On va regarder là. C'est fermé. Interagir. Il me faut un objet. Il faudrait quoi? Ah, peut-être le truc pour tourner. Il faudrait mon truc pour tourner. Ferraille. Voir les matériaux pouvant être combinés. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le terme de... Il y avait les... Le coffre à la Resident Evil 4. C'est vrai qu'ils sont beaucoup inspirés de RE 4 pour le faire. Donc rien pour ça que ça me rend... Tout joyeux.
Ah, c'est une piquette. Voilà, carte. Cimetière. Vierge guerrière. Cadenas. Ok. Passage souterrain intérieur. Ok. Interagir. Ces chèvres protègent notre village et ses habitants du mauvais œil. Quiconque les détruira subira la colère de Mère Miranda. Non, pas ta Mère Miranda. Pas qui c'est. On peut pas l'ouvrir. Là. Ok. Ok, il faut deux trucs ici. Donc là, à mon avis, il n'y a rien. On va passer instant ici. Peut-être dans la maison, il y a peut-être quelque chose. Ah! Morceau de relief vierge. Ok. Donc là, je vois pas qui c'est. Là, donc, c'est la Lady, celle qu'on voit souvent dans les trailers, qui est beaucoup appréciée. Là, c'est le vieux. Hein, je sais plus comment il s'appelle. Et ça, c'est Mère Miranda. On l'a su que cette silhouette, cette personne, c'est Mère Miranda. Voilà, simplement. La vieille Miranda. Attends, mais là non plus, je peux rien faire, non? Il faut un objet, ok. Ici. Verrouillé. Ok. Par contre, je crois que je suis passé un peu trop. Je voudrais monter pour voir s'il y a quelque chose ici. Parce que là, il y a un grillage. Et il faut une clé. Il y a une sorte de fœtus entouré de 6 ailes. Ok. Bon. Ah ben, on va pas se barrer d'ici. Tant pis. Et logiquement, il y avait un passage sur le côté. Donc je pense que, vu qu'on a un des deux cercles, le troisième, il doit être quelque part par là. On rentre pour voir. Hein. La ferraille. Ah, j'ai cru voir de la ferraille, non? Ah, la ferraille. Ok. Ouvrir. Prendre. Alors. Des mines. Ok. Alors, triangle. Ah ok, donc ça c'est la petite arme, et ça c'est la grosse arme, et ça c'est la mine. Ok. Là j'ai qu'une balle aussi de ça. Hein. J'ai qu'une seule balle. Ah, faut maintenir. C'est plein de farine. Ok. Ok. Par contre, je me suis enfermé, c'est normal. Honnêtement, je pense pas que ça servait à quelque chose. Peut-être pour se barricader s'il y a des monstres. Alors peut-être après. Et moi, j'ai vu des monstres.
On peut passer de l'autre côté. Donc attendez, il y a des monstres ici. À mon avis, il va falloir passer. À mon avis, il faudrait aller dedans. Ok, nickel. Un crâne cristallisé. Parce que à mon avis, il faut passer dedans. Voilà, le champ, il est obligé d'être passé. Oh putain, il y a du monde. Oh. Il y a du monde. Ouais. Ah, je peux pas les esquiver. Ah oui, L1 c'est pour se protéger, c'est vrai. Ok. Alors je pouvais pas les esquiver. Vous faites quoi ici? Approche pas. Pitié, vous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Mais tais-toi. Il n'est pas d'ici. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Entrez chez Louisa. Ok. Ah, des cartouches de fusil. Nickel. Ah mais il n'y a que ça, des cartouches de fusil. Ok. De confection. Ah oui, non mais c'est ce qu'on pourrait faire, ok. Donc en termes de santé, ça va, je peux me faire encore toucher. Ça c'est bon, je ne peux plus. Ah non, attends, ça je me recharge d'une balle, parce que j'en ai qu'une. Ah non, j'en ai plusieurs. Ça je me recharge de balles, j'en ai 10. Ok. Donc ça c'est chez Louisa. C'est ça? Chez Louisa. Là c'est verrouillé. Ok. Ouais, faut faire rentrer les autres, hein. Je suis d'accord. Venez, c'est ouvert. Vite, vite. T'en as mis du temps. Ouais, c'est ça de rien.
J'avoue, il aurait pu nous remercier quand même. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Hé! Hey, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond! Papa! Il faut qu'on entre! C'est ça, tu m'as pas dit merci, hein, je te serais crevé. Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Liliane, du calme. C'est qui lui? Mon ami! Reste où t'es! Papa! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer! Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger! Mon père a besoin d'aide! C'est pas mon problème! Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous! Allons, ces gens sont nos amis! Allez-y, entrez! Venez, par ici! Vous n'êtes pas de ce village? Non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici. Je vais voir les autres. Je suis désolé, il y a un truc que je voulais dire, c'est que l'ambiance, le style pour l'instant, on me dirait pas que c'est Resident Evil. Eh ben, on croirait jouer à Outlast. À Outlast 3. Louisa, une partie du bétail a encore été tuée, si ça continue, ils ne passeront pas l'hiver. Quant à Ernest, qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné? Elles n'arrêtent pas de nous parler de la mère Miranda. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Suivez-moi. Attends, je regarde les pages. Je trouve ça très instructif. Il y aura peut-être des images magnifiques. Ouais. Ok. On a dit suivez-moi, on y va. C'est vrai que la démo est très limitée, donc on peut pas trop s'amuser. Hein. On peut raider les décors, hein, mais on peut pas s'amuser de ouf. Sinon on pourrait. Sinon on pourrait faire des théories et regarder tout autour. C'est qui, lui? Un étranger? Vous allez tous nous faire tuer! Anton, du calme! Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Tu sortais très bien sans moi. Sans moi, tu serais déjà mort. Seul survivant? De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y'a pas de survivants! Un pauvre invalide. Une conne. Qui arrête pas de chialer? Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était? Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri! Tous les connards dehors se sont fait triper! Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana! Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis... Il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. «
Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière, nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. J'espère que ça la protégera tout autant que nous. Mais qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Papa! Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Oh non! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Non, dégage, monsieur. Ah, oh, merci. C'est très gentil. Elena! Ça suffit! Oh mon Dieu! Je te demande pardon, papa! Regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Elena, non! Il n'y a plus rien à faire! Papa! Tout risque de s'effondrer! Non! Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule! Non! Non! On va sortir d'ici tous les deux. Voilà, on va sortir d'ici tous les deux en mode tranquillou. S'échapper de la maison qui est en train de cramer. Magnifique, hein. Faut faire quoi, là? Là, il y a une voiture. Moi, je veux la prendre, la voiture. Je veux la conduire. Hein. Démarrer. Ah, il faut trouver les clés. Faut trouver les clés de la voiture. Les clés de la voiture. Les clés de la voiture. Tu sais où t'as mis les clés de la voiture? Non, parce que moi, ça m'intéresse de la conduire. Hein. T'as les clés de la voiture dans la cuisine? Si c'est ça, c'est pas très cool. Hein. Ah, les clés de la voiture. Ah non. Un tournevis. Oh, j'étais tellement content. Je crois que c'était la clé de la voiture. Ah si, clé du pick-up. Avec un tournevis. Si tu as besoin d'un tournevis, prends celui-ci, ici, il est dans le porte-clés. Du flouze. Par contre, le tournevis, je sais pas à quoi il va me servir. Peut-être que... Faut vite que je trouve une solution. Ouais, bon, on va prendre le pick-up, hein. J'ai envie de te dire... Merde ! Le feu gagne du terrain ! Et on démarre. Go ! Vous allez faire quoi? Reculez. Je vais tenter quelque chose. T'inquiète, ma biche. Je sais conduire. Il va foncer dans le tas comme ça. Il y aura toujours une voiture. Allez. Oh, il va tout casser. Oui, ça va. Laissez-moi essayer. Ça brûle. On n'a plus de temps.
On n'a pas le choix, il faut monter. Venez, vite! Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. Il n'y a pas de quoi. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Une fois dehors, je vous la présenterai. Vous passez par où? Ah là. Avec plaisir. Ouh. Non, c'est bon. C'est bon, ça va tenir. La sortie est par là. Là. On va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les affronter. Il y en a trop. Non, non, non. Tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena. Oh. Il me reconnaît. Papa. C'est trop dangereux. Bougez pas. Tenez. Attrapez ma main. Ethan, partez. Sauvez votre fille. Oh. Regardez-moi. Donnez-moi votre main. Putain de merde! Mais pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Elena, c'est horrible. On les a à peine, on les a à peine rencontrés, ils sont tous morts. Je vous jure, c'est un truc de ouf. C'est un cauchemar. Mais pourquoi ça commence ? C'est vrai qu'il a pas de chance, hein. Là, on peut pas ouvrir parce que c'est... Il y a du feu. Un fluide chimique. Là, c'est des toilettes. Tournevis. Ah, c'est le troisième symbole, non ? Morceau de relief démon. Ah ah. Il est là. Arrêtez. Merde, Yanda. Ah. Hey. C'était Mère Miranda. Oh, elle est stylée de ouf. De dos, elle était putain de stylée. En fait, c'était Mère Miranda qui l'a tué. La mort. Oui. La mort leur a tous rendu visite. Vieille biquette, calme-toi. Hein. Elle est toute excitée, elle. Un truc de ouf. Mais non, là, le démon, là. Voilà. Et celui-là.
Non. Comme ça, ça rentre. Voilà. Donc, à cet endroit-là, on rencontre Mère Miranda, alors. Je sais pas à quel moment du jeu ça va être. Honnêtement. Rien d'autre que le sang et la mort. Et ben si c'est ça, je suis prêt. Ah, c'était la fin. Et qu'a dit la fin parce que c'était 30 minutes de jeu. Et on a mis 27 minutes. Ouais, vous voyez, à 3 minutes près, si j'aurais un peu vraiment trop fouillé le jeu, c'était mort. Voilà. Et ça, c'est la bande-annonce qu'on connaît. Donc voilà. Bon, je la laisse quand même pour la vidéo. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Quit your whining. We're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Long, long ago. Oh no! They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. All that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we'll all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters. Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Merci d'avoir joué, précommandé Resident Evil Village, en appuyant sur triangle. Ok, donc moi je mets suivant. Ok, donc... on a droit donc en temps universel coordonné, ok, disponibilité. Donc là, vous voyez, c'était du... 18 à 17h, jusqu'au 19 à 1h. Le château, ce sera du 25 au 26. Et bien sûr, village et château, pour une durée de 60 minutes, du 2 jusqu'au 3. Donc je sais pas si ils mettent une heure pour dire, et ils mettent les deux pour dire pour ceux, imaginons, qui n'ont pas joué au village et château, ou est-ce que ce sera encore un nouveau truc par rapport au village ou au château. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas, on verra bien. Et ben, en tout cas, pour le peu que j'ai joué par rapport à la démo, et qu'on l'a fini, moi personnellement j'ai adoré. Déjà il me hypait par rapport à son trailer, mais là franchement je le trouve encore plus excellent. Après le trailer il vend du rêve, hein, parce que franchement
Tu vois qu'ils sont inspirés de Resident Evil 4 par rapport au monstre qui sort de l'eau. Rien qu'ils nous avaient fait un petit teaser de la map. Et à un moment, il y a un endroit de la map. C'est une sorte de grand marais avec un poisson dedans qui rappelle un des boss de Resident Evil 4. L'ambiance, enfin le style me rappelle quand même un petit peu. On voit qu'ils sont inspirés de Resident Evil 4. Après, je sais pas si c'est pour nous donner du suspense ou pas. Mais il y a Ethan quand même qui dit que Chris a tué Mia. Donc est-ce qu'il croit l'avoir voulu tuer ou est-ce qu'il l'a vraiment tué? Donc je ne sais pas du tout. Donc on verra bien ça quand il sortira d'ici là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Puis ben, je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.